17 et le complémentaire est le 18. Il est-tu midi pour vrai? Il est midi une. On a-tu des émotions en ce moment? On a beaucoup d'émotions, tout le monde! Hey! Là, là. Bonjour tout le monde, oui. Mon nom est Sébastien Lavoie, je suis le directeur des programmes et directeur musical de cette nouvelle antenne dans la région de Gatineau, Ottawa. Très fier de vous annoncer nos nouvelles couleurs. Alors, maintenant et dans le futur, on va jouer la musique du passé et on va s'appeler Pop 96.5. Yeah! Ça nous a inspiré cette identification que voici. Évidemment, on a une équipe extraordinaire avec nous autres qu'on aura la chance d'entendre dans les prochaines minutes, mais juste avant, c'est toujours symbolique, là, quelle chanson qu'on choisit pour commencer ben ouais. Une nouvelle station. Alors, ça s'appelle Pop, donc ça prend une chanson dans laquelle il y a le mot pop. Et ça prend plusieurs chansons aussi qu'on va entendre en montage. Ouais. Juste avant. Exact. donc, tu parles merci, de pop. Bon. Écoute, merci Bruno déritalisé. Oui. On écoute ce que ça donne, cette nouvelle fois. Excellent. Oui. La musique que vous avez aimée et que vous aimerez toujours. Le meilleur des années 70, 80, 90. Pop 96.5. Pop 96.5. Thank you.
plaisir, nous avons depuis combien de temps déjà qu'on est... on est là, ça fait 7 minutes. Exactement, 7 ouais. minutes. C'est un tout nouveau-né du nom de Pop 96.5. Et là, on, évidemment, on est une équipe d'étoiles. Je suis tellement fier de vous les présenter à l'instant. On va commencer par l'équipe du matin. On a deux personnes exceptionnelles. Écoute, Bruno Morissette et Stéphanie Mété. Wow! Ouais! Ouais! Allô tout le monde. Allô Stéphanie. Bonjour. Ça fait plaisir, c'est la première fois qu'on fait de la radio pour vrai ensemble. Oui, c'est la première fois. Oui, oui, mais ça va bien aller, tu sais. Une chance que tu me dis ça, moi ouais. j'avais peur pour toi. En fait. Ah oui, non, mais ça va très très bien. C'est sûr qu'il y a une certaine fébrilité au début. Oh. Et c'est justement, c'est ça qui est beau, c'est ça qu'on aime. Et on a le privilège de pouvoir réveiller les gens de Gatineau, Ottawa à partir de lundi. Toi, tu as un break, tu commences à 6h30. Moi, je commence à 6h. J'ai besoin de dormir un peu plus que ouais. toi, je pense. Ben, j'imagine, mais toi, on te voit déjà à la télé ici. C'est pour ça que j'ai besoin de dormir voilà. un peu plus que toi. Ouais. Exactement. Et bon, ça va commencer à 6h. Et le nom de l'émission, tu la connais, j'espère? C'est le bonheur de bonheur. Et le bonheur de bonheur après, tous les matins en semaine. Après un long meeting de 3h. Oui, on a trouvé, on a trouvé le bonheur de bonheur. Et ce sera de 6 à 10. Et vous êtes accompagné de celui qui est le survivant, dans le fond, de la fréquence 96.5, ben oui. Carole Baudry! Absolument, hey, on lève le bon merci! Merci beaucoup! Ben oui! Parce que ça prend quelqu'un qui nous offre les services de façon cohérente, ça peut pas être nous autres, là. Ah, non, ça prend quand même une note de sérieux là, dans ce show-là. Ouais, donc, je suis de retour avec les nouvelles, votre circulation, évidemment, là, tous les accrochages, accidents, moufettes écrasées de Gatineau-Ottawa, etc. On va les noter. Exactement, puis ça va faire bien plaisir de t'avoir avec nous, mais oui. tu peux venir jaser un peu, là. Ah ben oui, autre, tout le temps. Okay, ça, excellent. Jaser, j'aime bien ça. Alors, de bonheur, de bonne... C'est comment, le bonheur? De bonheur, okay. Alors que tu le pratiques oui. lundi prochain, c'est le bonheur de bonheur. De bonheur, exactement. Ouais. Mais toi, tu connais bien le bonheur aussi. Ça, on aura l'occasion de le développer, parce que... Oui, on va développer ton bonheur. Le mien, non, mais je veux dire, toi aussi, tu fais des choses spéciales qui ont rapport avec le bonheur. Mais je fais des conférences sur le développement personnel, sur comment être plus persévérant, plus positif. Donc, le genre de choses qu'on va retrouver le matin. Je vais essayer de découvrir tes défauts puis de m'améliorer. De t'améliorer. Okay. Hey, Bruno, pour transformer tes faiblesses en force. Bonne chance. Parfait. Comment être de bonne humeur? On a juste à lancer une nouvelle citation. Je pense que ça marche, oui. ça, déjà. Ouais, et là, de 10h à 3h, vous allez passer l'après-midi, l'avant-midi et l'après-midi, avec une légende entendue pour la première fois ici dans la région de Gatineau-Ottawa. C'est Christian Coderre. Ouais. Hello! Hey, bonjour! Bienvenue! Je suis vraiment énervé. C'est la première fois que je parle dans la région de Gatineau-Ottawa. Puis, sérieusement, on vit quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Pop 96.5, je serai là de 10h à 15h en semaine, du lundi au vendredi. Moi, là, c'est pas compliqué. Mon travail, c'est la musique. Vous autres, allez travailler. La meilleure musique va vous accompagner, puis on va avoir du fun. Ça va tellement passer vite de 10h à 3h en sandwich entre l'émission du matin, le bonheur de bonheur. Puis la prochaine personne qu'on va présenter à l'instant, parce que ça, c'est un vieux pote que je connais, puis j'avais encore maudit. Ben oui, une autre légende de la région, un gars que tout le monde connaît, Alain Larivière, pour le retour à la maison. Wow! Merci beaucoup! Là, c'est vraiment... Je m'en venais tantôt, il y avait Pagliaro qui chantait, puis... Ça disait, je suis heureux d'apprendre que tout n'est pas terminé. Ouais, il y a eu comme une courte période. Ça, c'était quel bonheur. Une courte période d'arrêt radio, disons. Oui. C'est beau le ciel, quand même. Oui, tout à fait. Hey, mais on s'en lasse, par exemple. Non, mais je suis vraiment heureux parce que cette musique-là, ce sont des grandes chansons qui ont accompagné les auditeurs, auditrices, alors qu'ils avaient peut-être 30 ans, fin trentaine, quarantaine. Mm. Les grands changements de vie, les moments cruciaux, et c'est ces émotions-là que la radio porte. C'est sûr que Born to be Alive, c'est le fun, mais une fois que tu le dis 10 fois, tu sais, ça... voilà. Alors, les paroles reviennent, les chansons, les textes. Et voilà. Ça me rend vraiment heureux, là. Le meilleur des années 70, 80, 90, c'est Pop 96.5!
un lien avec le nouveau nom du Pop 96.5, le meilleur des années 70, 80 et 90. Bref, c'est la meilleure époque de la musique. Ben oui. Et très sincèrement, dans 100 ans ou dans 200 ans, on va même regarder ça et se dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 années-là pour que la musique ait été aussi intense. C'est pas seulement parce qu'on l'a vécu, c'est purement scientifique. Elle est bonne, point. Voilà. Alors, ouais. On peut l'écouter maintenant. On l'a testé. Voilà, on l'a testé sur plusieurs années. Et on se rend compte que c'est la meilleure, alors on l'offre à Gatineau-Ottawa, ouais, tout simplement. Et on se rend compte aussi que peut-être c'est une période qui ne reviendra plus jamais. Il y a eu une exact période, vraiment, avec la pop musique et son apothéose dans les années 80. Il y en a qui vont dire qu'on parle comme des vieux, mais c'est vrai. Parce que rappelons-nous qu'à l'époque, sur le top 40, il y avait au moins 25 tonnes de bonnes. Ben oui. Aujourd'hui, sur un top 40, mettons, il y en a peut-être 3, 4. Ouais. C'est sûr que c'est relatif le goût là-dedans. Oui. Mais il y a de la variété également. Puis il y en avait aussi de la variété, mais c'était toujours quelque chose qui venait chercher très fort les émotions. Et c'est ça qu'on va rendre encore une fois. C'est ça. D'ailleurs, on va avoir un spécial là, pour se rendre à lundi. Exactement. Là, donc, jusqu'à dimanche, les 965 chansons de tous les temps à Gatineau, Ottawa. On célèbre ça en grand. Ça sonne! Quoi? Sébastien, on a déjà des gens qui écoutent Pop 96.5 qui le découvrent en même temps que nous autres. C'est hallucinant. Wow! Nicolas Tanguay. Nicolas Tanguay, des entreprises Tanguay, ici à Gatineau, Ottawa, vient de se brancher pour la première fois au 96.5. On les salue, Il y a la famille Coderre de Gatineau, Ottawa, Pierre, Pauline, Caroline et Michel qui écoutent en ce moment. Puis il y a même du monde de Québec, Tabarouette. Du monde de ta parenté, ça, hein? Ben oui! On dit que Denis Coderre de Montréal nous écoute. Oui, de la Fesgo. Coderre de ce mot, en fait. Alors, hey, Sébastien, puis la gang, il y a quelque chose de spécial qui se passe aujourd'hui. On prend-tu une pause d'une seconde? On va faire une petite citation qui vaut vraiment la peine. Une citation bonheur. Ça, j'adore. Hier, c'est l'histoire. Ouais. Demain, c'est un mystère. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, c'est un cadeau. Oh. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Hey, bonne chance, 96! Yes! Un cadeau à déballer qui fait pop, certainement. Alors nous, on pop le champagne. On vous souhaite une belle fin de semaine. On vous retrouve lundi. Ouais. Hey, salut Nancy à Québec, qui écoute. Salut. Et salut tout le monde à Gatineau, Ottawa, qui nous écoute. Ouais. Pop goes the world. Et puis, on va partir donc les 965 plus belles chansons des années du meilleur. On le dit tous ensemble, OK? Oui. Le meilleur des années 70, 80, 90. I'm
Understand.